quête de l'excellence ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 3000 ans, la Tunisie est le cœur du mouvement d'expansion des grandes civilisations. L'historien latin Pline l'Ancien écrit à propos des Carthaginois qu'ils inventèrent le commerce. Il y a 3000 ans déjà, Carthage avait inauguré une expérience constitutionnelle louée par Aristote qui mettait en avant sa réputation d'excellence. L'agronome Magan le Carthaginois nota dans son traité d'agronomie viticole des pratiques qui sont toujours en vigueur de nos jours. La quête de l'excellence se conjugue au présent. C'est aujourd'hui, ici et maintenant. La Tunisie est le premier exportateur mondial de dattes, le deuxième producteur mondial d'huile d'olive, le deuxième exportateur de produits biologiques en Afrique, le deuxième producteur africain de composants automobiles. La Tunisie est la première en Afrique du Nord en termes d'attractivité des talents, d'écosystème entrepreneurial et d'innovation. La nouvelle loi sur l'investissement permet une liberté d'investissement et garantit une ouverture sur le marché tunisien. Les principaux avantages de la réglementation tunisienne en matière d'investissement sont la suppression de l'autorisation de la Commission supérieure de l'investissement pour les étrangers, la réduction du nombre des autorisations et révisions des cahiers des charges, la fixation des délais de réponse pour chaque autorisation et obligation de motiver le refus, la totale liberté de la participation étrangère dans le capital pour les sociétés offshore, la liberté d'accès à la propriété foncière pour la réalisation de l'investissement, ainsi que la liberté de transfert des fonds, bénéfices, dividendes et actifs à l'étranger. Connect, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie. Regroupant des entreprises partageant des valeurs communes de citoyenneté, transparence, engagement, responsabilité, solidarité et équité. Dans plusieurs secteurs d'activité et sur tout le territoire tunisien. Dans tous les gouvernorats, avec une structure dédiée à l'international, Connect International, au service de nos membres. Des événements, conférences et workshops thématiques tout au long de l'année en faveur de la promotion de nos entreprises et de l'initiative privée afin d'enrichir le tissu économique de notre pays. Des caravanes et des roadshows en faveur de la création d'entreprises. Des formations et des entreprises d'entraînement en vue de renforcer la capacité de nos ressources humaines. Un réseau de partenaires locaux et internationaux au service de la PME tunisienne. Des structures régionales et sectorielles à l'écoute des membres. Des accords de partenariat pour développer les opportunités à nos PME. Des membres dynamiques et citoyens qui œuvrent pour la défense des intérêts des entreprises. De
de jeunes entrepreneurs encadrés et coachés pour la réalisation de leurs rêves. Des success stories mises en valeur pour donner de l'espoir à nos jeunes. Des missions de prospection à l'international ciblées afin de promouvoir le savoir-faire tunisien dans le monde. Une équipe jeune et dynamique au service des membres. Une interface de référence pour toutes les réformes et les mesures d'ordre économique et social et une force proactive de proposition et de défense des intérêts des entreprises. Et je remercie également les différentes organisations qui ont contribué au succès de cette manifestation, à la Connect. وأود في البداية أن أنوه بأهمية هذه المبادرة وأن أتقدم بشكري للكونفدرالية. L'ambition d'excellence n'a pas de limite, c'est infini.